Salut mes chers collègues, j'espère que vous allez bien et vous portez bien. Alors, soyez les bienvenus dans une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va voir la suite de cours. Avant de commencer, on va faire une petite révision à tout ce que nous avons vu concernant ce propos. Alors, donc, nous avons déjà vu là le schéma actantiel de Grimace. Donc, c'est-à-dire, il se compose de 5 composants. Donc, on a le destinateur et le destinataire, l'objet et ainsi les adjuvants et les opposants. Alors, concernant le programme narratif, donc, on parle ici de deux objets, donc objet de valeur et objet modal. Donc, nous avons vu l'objet de valeur, c'est-à-dire faire. Alors, on a parlé aussi de la manipulation, la compétence, la performance et la sanction. Et nous avons déjà bien déterminé et expliqué ceci. Alors, aujourd'hui, on va voir les trois épreuves. Donc, de toute façon, l'objet modal, c'est-à-dire faire être. Alors, ici, on trouve un objet modal, c'est-à-dire être ou bien faire être. Donc, l'épreuve qualifiante. Donc, vouloir être, c'est-à-dire ici, par exemple, l'entraînement. Donc, l'épreuve décisive, c'est-à-dire pouvoir être, la participation, les adjuvants. Donc, aussi, on parle ici de dans l'épreuve décisive. C'est-à-dire les adjuvants ou bien pouvoir être. L'épreuve qualifiante, c'est-à-dire la sanction possible gagnée, donc la réalisation de l'objet modal, c'est-à-dire être. Peut-être aussi positif ou bien négatif, donc comme nous avons vu concernant la sanction dans le programme narratif ou bien dans l'objet de valeur. Ici, la réalisation de l'objet modal, on peut dire gagner. Un exemple, donc comme nous avons vu l'épreuve qualifiante, c'est-à-dire l'entraînement, c'est-à-dire une personne qui va entrer dans une compétition et donc d'abord il a la volonté de participer. L'épreuve décisive, donc on peut dire aussi le vélo qui aide le participant, par exemple, de gagner l'épreuve glorifiante. Donc, je pense que notre science touche sa fin. N'hésitez d'abonner sur notre chaîne. Cela nous aide énormément de continuer dans ce chemin bénéfique. Merci infiniment et à la prochaine vidéo.